On ne sait jamais, peut-être que c'est à l'hôpital. Quand il te ment pas que. Toi, je ne veux pas te laisser. Non, tu mangeais même le rhume, j'ai tous les maladies. La honte de ça, j'ai vu la vidéo. Tu vois, il ne fallait pas lever la vidéo. Je vais amener la vidéo au commissariat. Tu veux m'agresser chez moi, tu veux m'agresser. Elle est même contactée. Parle encore de ma mère. Je veux parler que de tous les jours. Tu n'es qu'une sale chienne. Je suis à l'hôpital Fauche. Il dit que toi et moi, ouais. Je suis venu parce qu'on m'a dit que je viens faire, il faut que je viens faire le scanner là. Pour voir si je n'ai pas. Je peux avoir une hémorragie. Une hémorragie, comment on dit là. En pleine nuit. Ça peut m'arriver en pleine nuit. Tu te connais où ici? Moi, il va te faire ça pire. Tu n'as pas honte? Elle est fière. Tu es fière de quoi dans ça? Pourquoi tu mets la vidéo? Tu t'es maquillée? Tu montres seulement que j'étais acheté seulement ça. Montre vrai. Elle est même fière. Tu es qui? Tu peux faire quoi? Qui? J'ai ta merde. Vends tes choses. Tu vends quoi? Là maintenant, tu vas être à quoi comme ça? Devant moi, tu ne seras jamais rien. Ni rien. Tu m'as agressé. Je te porte plainte. C'est l'hôpital Fauche. Je vais mon scanner, je quitte ici, je pars directement à l'hôpital. Avec mon certificat de tout, je m'en vais directement te porter plainte. Et ça va aller loin. N'oublie pas que tu as gazé ma maison. Hein. Il y avait un enfant, hein. Il est témoin. Hein. Je veux te faire ça du. Le tout aussi. Tu vas me respecter. Tu t'as révisé de merde. Elle est contente. Tu calcules les abeilles, ces abeilles sont en train de jubiler. Si je mourais là, si je mourais, hein, on n'allait pas l'arrêter. Comme vous savez que je vis seule, venez m'agresser chez moi, venez toujours. Il y aura toujours des témoins. Et j'ai fait cette vidéo pour dire, c'est un coup monté, parce que je ne peux pas te dire. Parce que, à tel coup, c'est toi. C'est toi qui as donné l'adresse de ma maison, à Fleur de l'île. Parce que ma maison est assez isolée. Je donne toujours l'adresse de tout. Donc, à tel coup, s'il te plaît, viens prendre tes affaires. Ce soir, tu pars vivre chez Fleur de l'île. Parce que je n'ai pas aimé votre petit jeu. Ne me prenez pas pour une idiote. Hein? Comment Fleur-de-Lys sait les heures que je suis chez moi? Comment Fleur-de-Lys sait les heures que je suis chez moi? Parce que tu sais que je sors tous les jours et je rentre à 7 heures, à une certaine heure. L'histoire, si j'ai que les têtes vont tomber. Donc, elle m'a appelé moi à Talakou, pardon, viens prendre mes choses chez moi. Tu pars vivre chez Fleur-de-Lys. Parce que là, je vais vous montrer qu'il y a les lois dans ce pays. Donc, ça, c'est ce que je dis à Talakou. Voilà. Parce que je vous ai dit que les têtes. Non. Mais fais attention à quoi. Si Dieu a décidé que tu vas mourir, si Dieu a décidé que je veux mourir, avant la fin de l'année, je veux mourir. C'est comme ça, destiné de tout un chacun. Vous comprenez? Mais cette histoire, Fleur de l'île ne peut pas savoir certaines choses sur moi. Parce que même mon évanouissement ne connaît pas trop de choses sur moi. Vous comprenez, non? Voilà. Donc, je vous ai dit qu'il y a des têtes qui vont tomber. Vous comprenez? Donc, voilà. Et dès qu'on attend, non, moi, je ne veux pas faire qu'une personne qui est chez moi, tu aimes faire de l'île, tu vas dans tes choses. Non, à la coup, moi, je t'annonce que ma fille, moi, je ne veux pas. Tu as dit de partir même depuis. Tu es là. Donc, moi, je veux rester calme chez moi. Tu peux faire un direct si tu veux. Toi, si tu peux venir chez moi autant que tu veux, tu aimes, tu es chez moi, si tu veux. Ma maison est ouverte. Mais je ne te veux plus chez moi. Parce qu'est-ce qui se passe là? Après, tu appelles. Quand Fleur de l'île est partie, comment? Vu que tu étais avec Fleur de l'île. Et Fleur de l'île a dit que c'est toi. Fleur de l'île a dit, j'ai les témoins. Fleur de l'île m'a dit que
Tu crois que tu es caché? Tu sais où je suis? Tu vis avec qui ici? Fleur de Lys elle-même t'a dit. Elle a dit que c'est toi. Elle dit, sache que tu vis chez toi avec une personne qui m'aime bien. C'est elle qui m'a donné. Parce que Fleur de Lys, oh, il y a des gens à Paris qui ne savent pas où je suis. C'est toi qui as donné. Tu as donné mon truc à Fleur de Lys pour venir m'agresser chez moi. Et Fleur de Lys l'a dit. C'est la cour. Donc, s'il te plaît, je n'ai pas de problème avec toi. J'ai pris le sur les réseaux sociaux. Hein. Tu vas dire, hey, star, hein. Insulte-moi autant que tu veux. Mais, tu prends tes choses ce soir-ci. Tu quittes chez moi. J'ai dit que ce soir-ci, appelle-la pour qu'elle vienne prendre ces choses et part. Parce que moi, je ne retourne pas chez moi ce soir. Moi, je m'avais donné à la police. Je vais dire à la police que je suis menacée et tout ça. Parce que là, cette histoire-ci va faire que quelqu'un va mourir ici-là. Parce que je ne comprends pas comment faire, ils peuvent venir chez moi. Non. Je suis là, j'attends le docteur. Je suis venu pour la tête. Donc, si tu es trop fier de toi, que tu as tapé la veuve, jusqu'à être divin que. Je suis fier de moi, parce que tu es fier de quoi? Ça te fait rire? Il est venu chez moi m'agresser, ça te fait rire? Il ira bien qu'il ira dernier. Mais toi, je t'amène, je t'encule. Comme j'ai dit, et je redis toujours, ceux qui veulent rester, ceux qui veulent partir, ta mère va mourir parce que tu as vendu ta mère. Ta mère est enchaînée. Et tu sais pourquoi ta mère est enchaînée. D'accord? Tu sais très bien que ta mère, pourquoi ta mère est enchaînée. C'est moi qui viens dire ça. C'est seulement pour ça que tu viens me taper. Que tu viens chez moi, mon coin. Oui. Mais je t'ai montré que je suis une femme. Tu t'es descendu en bas. Tu t'es maquillé. Tu as mis les lunettes. Il fallait montrer ton œil. Ton gros œil là. Il fallait montrer ça. Donc voilà. Donc on va voir ça, putain. Voilà. Même ma couille, tout à l'heure, avec ma peau, à quel point on dit que l'assassin a trouvé. L'âme du crime chez toi. Elle a trouvé l'âme du crime chez moi. Et moi, parce qu'elle m'a trouvé à train de manger à midi. De manger. Voilà, c'est tout. Voilà vos gens que vous attirez sur les réseaux sociaux. Merci. Allez, ma soeur Cathy Marigo. Merci. Non, moi, je suis venue là, plus de demain venu. Après, même, ouais, j'ai oublié de leur dire que. Oui. Ils vont aussi me faire plus le doigt. Ils vont faire peut-être. Parce que le doigt est très dangereux. Ils vont faire plus le doigt aussi. J'espère que je n'aurai pas de sida. Ouais. C'est maintenant qu'on sent les. Non, je ne veux pas. Il n'y a pas de silence ici là. Est-ce que c'est que j'ai fait en silence? Je veux faire. Est-ce que j'ai peur d'elle? J'ai peur d'elle. Quand tu vas venir chez moi, vous allez trouver l'arc chez moi. Non. C'est elle. C'est elle. Elle dit que c'est elle qui l'a fait. Les filles de droit sont très dures, très méchantes. Et je regrette même pourquoi elle est venue chez moi. C'est elle. Sachez que si je meurs, c'est les deux gens là qui m'ont tué. Parce que je sais que les lesbiennes sont très bizarres. Moi, je ne suis pas moi lesbienne. Mais, franchement, c'est un wagon là. Elle m'a tapé ça. C'est là que je l'ai pris. Je l'ai attrapé, l'ai pris tout ça. Je crois que ça n'allait pas, c'est là qu'elle m'a croqué. Franchement. Franchement, non. Donc, non. Non, je ne veux plus. Ce soir, les gens vont ouvrir des champagnes pour ça, mais ce n'est rien du tout. Moi, je m'en fous. Demandez à votre fleur de lit de faire le direct avec son œil. Elle vous montre bien son œil, comment son œil est.
Je dis qu'elle est tout à l'heure là, ouais. Je veux mettre la police, non. Elle va aller occuper ça, la police. Elle ne veut plus moi. Parce que depuis que j'ai demandé à la fille de partir de chez moi, c'est comme. Parce que là, c'était quelque chose de très étonnant. Attends. Même les gens qui l'ont renseigné, vous qui l'avez renseigné là, c'est bien, non? Elle est venue chez moi, non? Mais vous allez être poupée avec elle. Il y a des gens qui veulent mourir. C'est là le problème de la famille seule. Moi, je m'en fous. Moi, je veux seulement que là, maintenant, on me fait le scanner. Si c'est bon, c'est bon. Si ce n'est pas bon, je dors ici. Non, moi, je n'aime pas. Allez, il y a trop d'hypocrisie, trop d'hypocrites. Moi, Lucie de lui, je t'encule, ok? Ok? Vous aimez tuer les mamans des gens. C'est pas qu'elle est sa maman qu'elle est venue. Vous connaissez pas la qui sur les réseaux sociaux. Elle ne sait pas la maman de qui. Je veux tuer sa sale chaîne de mains tous les jours. Je veux tuer l'enculée tous les jours. Qu'elle meurt, qu'elle crève. C'est elle qu'elle avait vendu sa mère. Pourquoi tu as dit quoi? Qu'elle sait encore. Je vais essayer que tous les jours, j'ai ta mère, je t'encule. Tu n'es rien. Hmm? Enfin, quand tu ne sais pas les anciens, c'est un sperme, tu es qui? Viens encore me toucher. Venez encore, bonjour. Bonjour. Ah, c'est le docteur Angers. C'est le docteur? Oui. D'accord. Bon. Voilà. Bonjour. Je m'appelle Ronan, je vais voir un peu ce qui s'est passé. Non, j'ai une agressivité. Je me suis agressée, on m'a agressée chez moi. D'accord. Donc, voilà. D'accord, à quel endroit? Là. Là, ici? D'accord, je peux regarder? Mm-hmm. Ça vous fait mal? Mm-hmm. Ou pas? Ça fait pas mal, oui. Mm-hmm. Et vous avez perdu connaissance? Non, pas du tout. Non? D'accord. Vous allez juste voir si je n'ai pas un traumatisme quelque part. Oui, d'accord. Oui, bon, on va faire sans doute une imagerie pour voir. D'accord, on va faire une imagerie. Est-ce que vous, là, vous vous êtes levé depuis? Comment? Vous êtes tombé ou pas? Non, pas du tout. Non? Je ne suis pas tombé, non. C'est, j'étais assise et elle a pris une bouteille. Elle m'a cassé ça. Voilà. Est-ce que là, vous avez la tête qui tourne ou... Non, pas du tout. Non, pas du tout. Non. C'est juste pour faire un petit bilan, quoi. Ouais. Pour voir. Pour voir si elle a soifé aussi fort. Et puis, je me suis blessée aussi là. Elle m'a bloqué avec ses dents. D'accord. Oui, je vois. D'accord. Si on peut faire peut-être une petite piqûre. On peut désinfecter. On peut le désinfecter et tout. Oui. Je vais voir, je dois avoir fait cela, je peux le faire, d'accord? Merci. Non, pas du tout. Non. Mais j'ai pas vu mal quand même. Oui, oui, ça va. Au moins, ouais. Est-ce que vous avez eu un trouble visuel? Non. Ou... Non? Pas du tout. Si je vous touche, vous sentez bien pareil des deux côtés? Non, là ça fait mal. D'accord. Mais d'accord. Et là, vous sentez pareil des deux côtés? Mmh. Et là? Mmh. D'accord. Est-ce que vous avez mal autre part? Ou ça vous fait mal seulement à l'endroit où vous avez frappé? Ici? D'accord. Mais toi, ouais. D'accord.
pas d'autres problèmes particuliers? Non, à part que j'ai une petite toux qui me dérange. D'accord. Depuis combien de temps? Depuis quelques jours. D'accord. Je vais juste écouter au niveau du cœur et des poumons. D'accord. Non, juste comme ça. Est-ce que vous pouvez respirer fort par la bouche, s'il vous plaît? Donc je vais vous désinfecter le doigt, d'accord? D'accord. Et après je vais voir avec mes chefs, voir, et on va sans doute faire une imagerie. D'accord. D'accord. Ok. Je vais juste faire une dernière chose, fixer mon nez. Et suivez mon doigt, s'il vous plaît, avec les yeux. Parfait. Parfait. D'accord, je vérifie juste qu'il n'y ait pas eu de problème au niveau cérébral visible. D'accord. Donc pour l'instant, on peut le faire, parce que c'est comme si je n'ai pas bien. On peut le faire. Mais regardez-moi, regardez mon nez et suivez mon doigt. Hop. Non, il faut regarder là, il faut que ce soit vos yeux. Voilà. En bas. D'accord. On va désinfecter. Vous n'avez pas de plaie ouverte autour du sur votre bras? Non, pas du tout. Non, c'est rien du tout. Hein. D'accord. Bah, de toute façon, c'est même pas... Bon, c'est une petite blessure. Hein. C'est même pas au doigt, quoi. Non, mais parce que je suis trop parano parce que moi je pense que c'était qu'elle m'a coupé le doigt. Non, c'est tout petit. En fait. Mais je vais vous désinfecter, ça fera pas de mal. Oui. Mais quand je vois ses mains au niveau du doigt, ah, mais dis donc, la force of ça. Ouais. C'est bon? Oui, c'est désinfecté. Donc je vais voir en discuter avec mes chefs et je reviens vous voir. D'accord, merci beaucoup. À plus tard. À plus tard. Après eux, si je ne porte pas plainte là, eux là, ils vont m'envoyer ailleurs. Donc, mais je finis ici. Après, je... C'est mon quartier, non? Je ne porte pas plainte, après, je rentre à la maison. Je t'en m'évanouis. Deux vannes parfois, quoi. Oui, les jeunes médecins, oui. C'est comme ça. Ah, je vais faire comment? Parce que moi, j'ai un problème. Moi, c'est parce qu'on m'a dit que non, la veuve va un peu porter. Va un peu. Là-bas. Pourquoi? Non, c'est pas abusé par rapport à quoi. Non, c'est normal, elle vient de m'agresser chez moi. Et elle pensait que j'étais seule. Et puis, bah, c'est, même si c'est un interne, ça fait quoi? C'est un médecin. Et puis, elle pensait que j'allais me laisser faire ou quelque chose comme ça.
Donc voilà, c'est tout. Elle peut se vanter autant qu'elle veut dans les réseaux sociaux. Ça, c'est son problème, ça la regarde. Elle peut être caïde si elle veut, elle peut être. Oui, je vais préciser que je suis quoi. C'est même qui vient commenter ça. Non, bon. Non, pourquoi? Non, je ne dis pas que j'ai perdu connaissance, pourquoi? Non. Non, je veux pas que j'ai mal si j'ai pas mal, non. Non, je ne suis pas une personne comme ça. Pourquoi? Je veux pas. Mais pourquoi je viens là, je suis quelqu'un de juste. Elle m'a frappé la personne de la tête, j'ai porté plainte, c'est tout. Elle vient m'agresser chez moi, c'est tout. Vous voulez que je n'invente pas? Pourquoi je veux. Non. Non, 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 non. Je dis ce qui s'est passé, c'est tout. Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi si elle jubile à cette heure-ci, c'est son problème, si elle jubile. Mais qui jubilera, jubilera des liens. Moi, je m'en fous. Quand on dit qu'on fabrique les gens à Facebook, moi, je suis votre produit qu'on fabrique à Facebook. Mais je voulais rendre ça plus pire que ça. Moi, je parle. Moi, elle n'a pas parlé avant de venir. Elle peut dire ce que je veux sur les réseaux sociaux. Tant mieux pour elle. Mais moi, je sais ce que je veux la rendre. Et j'ai dit que sa maman est folle. Et comme elle ne va devenir folle, bientôt, je l'encule et inscris ta maman. Que sa maman crève. Sa maman est attachée. Chez nous, on dit souvent que, tu sais, qu'on attache une maman avec les chaînes dans les pieds. Ça veut dire qu'elle doit payer la dîme du peuple, de son peuple. Sa mère n'a pas payé, c'est pour ça. Elle devient folle. Qui ignore ça? Tu sais, est-ce que c'est pour ça qu'elle est venue chez moi? Oui, je quitte ici, après je lui porte plainte. Elle va tuer qui? Tout le monde est mort. Si je meurs, que c'est elle qui m'a tué. Si je meurs maintenant, pour sauver que c'est elle qui m'a tué. Est-ce que c'est ça? Mais oui. Même si je suis sûr qu'elle va envoyer les gens m'agresser chez moi. Elle est venue parler chez moi. Mais moi aussi, elle va envoyer les gens m'agresser chez elle. Après, je dis que quoi? Elle peut me battre, elle peut venir chez moi me battre. J'ai dit ces histoires-là. À part là, ma bouteille, ma propre bouteille, qu'elle m'a tapé sur la tête, il n'y a rien. Demandez à votre fleur de lui de montrer son visage, son œil. Elle est sortie de chez moi. Elle s'est maquillée. Elle vient se placer là-bas pour faire la vidéo. Qu'elle fasse un direct. Elle montre. Elle fasse un direct comme moi. Moi, je ne me cache pas. Là, je suis avec Twitter parce qu'elle m'a cogné la tête. Qu'elle monte sur sa panneau. Est-ce qu'elle peut? Elle ne peut pas le faire parce qu'elle a honte. Parce qu'elle a honte. Ça dit la honte. La vidéo est là. Hein? Là où elle était dans la voiture, là, j'ai vu la vidéo. J'amène ça directement au commissariat. Parce que moi, j'ai peur. Je suis le tam-tam de la toile, tout le monde me tape. Qui m'a tapé? C'est les gens qui sont violents. C'est les gens qui. Ngoza est venu. Elle avait la bague, non? Elle avait la bague. C'est quoi? C'est la lâcheté? Celle-ci vient. Avec les bombes lacrymogènes, c'est la lâcheté. Venez m'affronter. Pourquoi vous n'avez pas peur de m'affronter? Mais affrontez-moi. Hein? Vous avez l'air que la bague est partie quelque part avec le truc. Venez. Vous ne pouvez pas. Je suis votre tam-tam de la lâcheté, oui. Et c'est vous qui me rendez forte. On ne sait pas encore me toucher. Même quand il m'a parlé là, toi avec ton gros corps là, le gros corps de couscous là, tu as fait quoi chez moi? Rien. Elle se plaint que parce que ta copine était là. Donc, tu es tellement bête. Donc, toi, quand toi tu viens avec ta personne pour me tuer, et moi, chez moi, tu es une personne, comme tu es la fleur de l'île, on va te laisser. Tu as eu la chance que ma copine, le médecin n'était pas là. Tu as, on allait te faire, c'est moi qui allais te filmer. T'entends, non? Reviens encore chez moi. Tu vas voir qui vit chez moi maintenant. Reviens.
Je suis votre tam-tam. Mais tu as alors eu. Fais un direct comme moi. Oui. Moi, je suis là depuis tout à l'heure. Parce que la tête, ce n'est pas n'importe quoi. Moi, je montre tout ce qui m'arrive. Tu es venu toquer chez moi. Avec ta copine. Elle s'est placée là. Mais pourquoi vous avez. Mettez la vidéo que vous avez filmée chez moi, non? Elle est même contente jusqu'à. Elle rit. Elle monte ses coups de mort. Ta fin est proche. Ta fin est proche. Tu m'as jamais tapé. Jamais. Montre ton visage. Montre ton nez où je t'ai gommé. Propre. On tape quelqu'un sans gratitude. C'est ma propre bouteille qui m'a tué. Va agresser Valérie Amou. Ungosa. Mais Ungosa te tape aller-retour. Pas les agresser. C'est moi qui venais agresser. Ouais. Et c'est des choses comme ça, dis donc. Fichez mon appel. J'ai fait mes tirs, ça vous énerve. Philippine, machin, le cul de ta mère. Tu dis que quoi? J'ai pour vous qu'elle ait pu insulter. Quand ça, des injures viennent te trouver chez toi, je fais quoi? Tu n'insultes pas. J'ai redit. N'importe. Je vais insulter tous les jours que tu as créé. Tous les jours, Fokwe. Fokwe, mamie Mboma. Tu es qui? Tu es quoi? Tu as vendu ta mère. Vendu propre. Tu viens m'agresser chez moi. Et je vais te laisser. Et tu m'interdis que. Mbis Mbeyou. Et là, nous, on se trouve. Le docteur est là. Alors, vous avez reçu une bouteille sur la. Oui, une bouteille. De quoi? En plastique ou en. De vin. Ah, de vin? Plein de vin. Bien plein. Bien plein, oui. Vous avez perdu connaissance ou pas? Non. Vous avez reçu. Ah, c'est là? C'est là? Oui. D'accord. Vous n'avez pas perdu connaissance? Non. Vous n'avez pas envie de vomir? Non. Donnez-moi la main, l'autre, c'est la main. D'accord. Vous connaissez la personne? Tirez les bras vers vous. Tirez les bras vers vous. D'accord. Vous voulez déposer plainte? Oui. D'accord, donc vous faire le certificat? Oui. D'accord. Oui. Levez la jambe, gardez-la comme ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. L'autre. Non, regardez-le, ne bougez pas. 6, 7, 8, 9, 10. Vous n'avez pas envie de vomir? Non. Non. La douleur entre 0 et 10, vous avez 10. Et 10. Vous avez pris quelque chose pour la douleur ou pas? Non, ma donné, fais la gamme là-bas. On vous a donné? Oui. En tout cas, je remercie le bon Dieu de m'avoir donné ma bonne humeur. La douleur à 10. Mais oui, ça fait quoi? Mais j'ai mal. C'est vrai, la tête me fait mal. Hein. Docteur! J'ai une tête cassée. Ma tête est cassée. Ma tête est cassée. Mais. Oui, ma tête est cassée. Elle a cassé ma tête. Oui. Ah oui. Oui. Attends, je rêve. Attends, où c'est mon doigt qui fait mon. Quelqu'un m'a cassé ma tête?
sais pas trop si c'est cassé. Mais il va venir gâter parce que là, je regarde. Parce que j'ai pas mal maintenant, quoi. J'ai pas mal, je sais pas. Mais de. Quelqu'un. Oui. Quelqu'un, c'est ma tête. Ah oui, mais de. Elle a cassé ma tête. Ma tête est cassée. Je vous mens pas, ma tête est cassée. J'attends le docteur. Le docteur arrive. Je vous mens pas. Oui, parce que je ne sais pas ici. J'ai mal un peu ici. C'est une sanguinaire. Tu m'appelles pourquoi? Arrête de m'appeler. Vous me serez vous là. Abstenez de m'appeler, je ne vous dois rien, vous ne me devez rien. Fichez-moi la paix, mes soeurs boulot. Fichez-moi la paix. Je ne veux pas prononcer ton nom ici, alors fichez-moi la paix. Donc, il faut que le docteur vienne ici. Je ne vous mens pas quand vous êtes cassé. Oui, je suis une vieille femme. Mais je suis pauvre, ça fait quoi? C'est pourquoi vous avez tapé la tête sur la tête. Quelqu'un m'a douce sur la tête, je vous parle de quoi. Mais je n'ai pas vu quand la couteau est passée. Le silence est d'or. De toute façon, attends le docteur. Moi, je suis une femme qui rigole tout le temps. Pourquoi? Je ne veux pas de rire. Pourquoi? Je veux mourir avec mon rire sur la tête. Ne vous inquiétez pas pour moi. Merci. Mais moi, je suis une personne comme ça. Vous savez, avant, quand j'ai commencé les vidéos, je ne savais pas insulter. Maintenant, j'insulte. Je ne sais pas faire cette chose, maintenant j'apprends. Au fur et à mesure qu'on m'agresse, j'apprends. J'attends, non. Quand, si on va même à autre truc, on va voir son poids, on voit mon poids. On va dire que merde, tu as cherché où aller. Ce n'est pas grave. Moi, je suis là, moi, je fais ma joie de vivre, moi, je fais mes petites choses comme je fais. Bah, si ça prend un peu à Facebook, tant mieux, ça prend tant, tant pas mieux. Mais là, je vous dis que ma tête est baissée. Mais pourquoi il n'y a pas de sang? Mais oh, c'est le gouvernement de la jeune. Hein? Je vais vous montrer pourquoi ils arrivent. Ils vous mentent pas. La tête, si. Il y a un truc quelque part ici, là. Mais je ne vois pas le sang et tout. Même si je meurs, je meurs avec le sourire. Mais oui, pour moi. J'ai l'air de stresser là. Oui, j'attends le docteur. Parce que c'est quand le docteur est parti que j'ai senti un peu mal. Non, on peut avoir un seul coup, oui, pas le seul coup que j'ai, mais comme ça gonfle, tout le coup aussi gonfle. J'ai eu un seul coup très violent, oui. Bon, quand c'est quand même au niveau de la tête, il faut voir ce qui se passe. Tu peux avoir un hématome ici, et puis ça va dégénérer ailleurs. Aussi. Donc voilà, on fait comment?
comme les nouvelles stars de Facebook, qui n'arrivent pas à vendre leurs produits. C'est ce que j'ai fait, mes soeurs. Geneviève Ngombo, j'en ai rien à foutre. Verbalement, tu insultes ma mère, j'insulte la tienne. Tu m'insultes pour sale pute, je t'insulte sale pute. Tu me fais du mal, je te fais du mal. Tu entends, non? Ce que je suis, c'est ça. Et comme elle est venue chez moi, et moi aussi, je vais aller chez elle. Parce que moi, j'ai son adresse chez elle. Tu entends, non? Quelqu'un, elle est très mal entourée. Parce que les gens qui pouvaient la conseiller de ne pas venir chez moi, elle n'a pas demandé conseil à ces gens-là. Moi, je ris avec vous, mais je veux lui porter plainte. Parce que là, si le docteur arrive, le docteur se rend compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas là. Moi, je lui porte plainte. Elle peut aller en prison, elle peut faire la prison. J'ai la vidéo là où elle dit qu'elle va revenir chez moi m'agresser. Vous parlez de quoi? Elle est là partout, non? J'ai dit que j'ai quitté Facebook. Que j'ai quitté Facebook et j'essayais d'arranger les choses. Le diable est venu chez moi montrer que tu ne quittes pas Facebook. Voilà, on va recommencer. Elle peut être fière d'elle. Fière de quoi dans ça? Parce qu'elle est venue battre, elle est venue chez moi. Elle dit qu'elle m'a tapé. Tu peux me taper, fricam. Tu mens. Hmm? Tu es venue, il fallait, tu veux me taper, viens seul. On va faire ça comme deux femmes. Mais tu es venue avec qui? Avec une femme. Mais tu n'attendais pas qu'il y avait une personne chez moi. Hmm? Une personne chez moi. Tu t'attendais pas. Qu'est-ce que tu croyais? Qu'est-ce que tu croyais? Tu es lâche. Tu viens déjà. Mais tu viens te battre avec la veuve. Tu viens avec la bombe lacrymogène. Ou avec la force que tu as à Facebook. Hein? Tu viens te battre avec moi. Tu viens avec une femme. Vous venez à deux. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Alors tu es une faible femme. Tu es faible à tout ce que tu fais dans les réseaux sociaux. Tu as peut-être vendu ton âme au diable pour voir les vues que tu as là. Mais chaque fois que tu agresses une personne comme, tu, comme moi, ça montre que tu es faible. Ça montre que tu ne vaux rien. Tu ne vaux rien. Un seulement, ton petit frère, que tu, ton fils, ce n'est, Pichou n'est pas ton fils. C'est le dernier fils de ta mère. Je veux te dire ça aujourd'hui. Ce n'est pas sa mère là-bas. Elle est belge. Le petit gars là, c'est son petit frère. Ce n'est pas ton fils. Tu es une femme, tu n'as pas accouché. Tu n'as pas d'enfant. La petite fille que tu montes là sur les réseaux sociaux là, comme c'est qui pour toi? C'est ta nièce. On va arrêter dans les confidences, non? Tu crois que tu peux me faire quoi? Viens chez moi. Je vais porter plainte parce que je vais m'amener les policiers chez moi. Je te mens pas. Les policiers vont arriver chez moi. Hein. Ma porte qui ne marche pas bien là. Je te mens pas que tu vas. Comme tu es trop riche. Le voisin d'en bas t'a vu. La fille qui était chez moi t'a vu et tout ça. Tu vas voir tout ça. Moi je t'ai dit. Comme c'est toi qui venais chez moi. Moi, je suis pour que tu m'agresses dehors. Tu pouvais m'agresser dehors. Oui. J'ai dit que oui, c'est les réseaux sociaux, oui. Mais le fait que tu viens chez moi et tu es fier de ça dans ta vidéo, mais tu ne fais que te ridiculiser de plus en plus. Parce que tu n'arrives pas à vendre. Tu n'arrives pas à vendre tes produits. Tu n'arrives pas à vendre rien. Tu n'es pas une commerçante. Tu es rien. C'est pour ça qu'il faut qu'on parle toujours de toi. Parce que je m'attendais à tout le monde, sauf à toi. Et tu as eu quoi? Hein? C'est la fille là, qui était chez toi, n'était pas là. Tu allais me faire quoi? Oui, tu allais me tuer. Parce que tu es une tueuse. Mais tu vas mourir avant moi. Et ta sale chienne de mer, que j'ai une sale chienne de mer, qui est attachée, qui est folle, va mourir avant moi. Et avant tout le monde. D'accord? Regarde-toi. Je suis d'accord, ta mère pue. Elle mange comme les caca, elle mange. On dit qu'elle mange, on lui met la. Quand on est tellement attaché, elle fait oh, sale. Elle mange comment? Elle met la feuille chez moi. Tu n'as pas peur? Elle n'a pas pitié de moi. Tu n'as pas pitié de moi. Ma mère est malade. Ma mère est malade. Elle est enchaînée. Elle est hospitalisée. Ah bon? Tu vas être devant moi, chez moi. D'accord?
Tu es venu chez moi pour me dire ça. Toi et moi, on allait plus s'arranger. On allait rester entre moi. Tu as monté que tu as monté que par que tes abeilles de Facebook. Tout va sortir. Attends la coupe, pardon. Viens prendre tes choses et tu pars. Parce que Claude de Lille a dit que tu vis ici avec qui? Ta fille qui vit avec toi m'a dit tes heures, comment tu prononces. Le matin, tu sors. Vers 11h, tu rentres. Midi, tu rentres. Et c'est ce qui s'est passé. Eh oui, c'est toi. Claude de Lille t'a trahi aujourd'hui à Talakou Bibiche. Que c'est toi, à Talakou Bibiche, qui l'a fait venir chez moi. Parce que elle est, les gens ont sonné en bas. Ils sont montés. Hein? Comment on sait que c'est la veuve joyeuse vit à droite ou à gauche? Même moi, j'ai mis des années. Quand les gens venaient, ils disaient, tu es à gauche. Pourtant, c'était à droite. Hein? Tu leur as dit. Tu as dit à toi que c'est là où il y a le petit tapis rouge. C'est ce que Ferdinand a dit tout à coup. Tu m'as trahi. C'est toi. C'est la couche. Je te remercie. On dit que c'est les gens qui vivent avec vous qui vous trahissent. Ma fille. Ce qui m'entend, c'est aller dire à tout à coup qu'elle vient prendre ces choses. Parce que quand j'ai fini la police, moi je parle à la police. On parle à la maison. Tu viens prendre tes choses, tu pars. Paris est grand. Il y a un peu de batterie. Non, mais ça, c'est comme ça aujourd'hui. Donc, voilà. Attends, il y a un problème là. J'ai mal là. Non, et on dirait que c'est que foncé, non? C'est ce moment-là? Oui. Voilà, ça, vous avez un gage pour vous donner le certificat définitif. Et là, j'ai je sais pas où. Ça, vous pouvez vous le déposer à la police. À la police? Et là, en bas? Partant là, vous mettez un cachet, vous le déposez à la police. Oui. Mais après, pour vous donner les jours d'incapacité, c'est à gage. D'accord. Il faut téléphoner dès demain au numéro de téléphone qui est affiché. Mais merci. Voilà, on revient. Au revoir. Maman, même pas deux semaines de chanson du Cameroun et les déplacements de tête. Et ceci. Maman, elle a dit tout. Donc, je me suis dit, rendez-moi. Comme ça, elle est là. Je vais laisser ici mes clés. Voilà. Voilà. Là, chez moi. On va mettre d'abord la police. C'est par ici. Ah. Merci. Voilà. C'est bien la sortie, c'est encore. C'est il fait froid. Bon, voilà. Si vous prenez la vie de l'Europe, c'est. Maintenant, on ne parle plus fort. Si on parle fort encore. Quand j'ai ta merde, comme j'ai dit. J'ai ta merde fort. Fort même. Et je suis sur l'arrêt de ta sale chaîne de merde, d'accord? Viens me tuer une fois. Mais en venant me tuer, c'est moi qui va te tuer.
Tu entends, non? C'est moi qui va te tuer. Tu es qui? Tu es quoi sur les réseaux sociaux? Sale chienne, sale pervers. Lesbienne de merde, la plus sage lesbienne du monde. Tu es qui? Ah, mais attends. Ngo, ça t'a menacé, c'est ce que j'aime, maman. C'est chez moi que tu viens. Non, toi et moi, on va faire ça tous les jours. Tu n'as pas honte. Tu vas maintenant t'asseoir dans ton trône là aujourd'hui. Tu t'assois dans ton trône pour dire, oui, maman, je suis allée chez elle, t'appelles. Tu n'auras pas honte de ça. Avec ton gros corps, tu dis que quoi? Montre au moins ton visage. Tu t'es arrêté quelque part, tu t'es maquillé. Moi, je ne me suis pas arrêté. Voilà ma bosse que j'ai eue. C'est avec ma propre bouteille de chez moi. Je m'en vais maintenant comme une salade te porter plainte. Vous aimez entendre. Sale chienne. Et une légume. N'achetez pas ces produits, c'est les Camdogo. Tout sa poisse, la poisse qu'elle a ramassée depuis des années, elle va vous donner ça dans ces huiles-là. N'achetez pas ça. N'achetez pas. Hein? Regarde-moi ça. Pourquoi quand tu te tapes tous les jours là-bas, elle casse ton cou? C'est la femme que tu dis. Je ne suis pas lesbienne. Hein? Je suis une femme fière. Les jeunes n'aiment pas les femmes. Et les femmes ne m'aiment pas. Point la ligne. Sale pute. Sale chienne. Tu ne vaux rien. Tu n'as pas d'enfant. Tu n'as jamais accouché dans ta vie. Tu n'as jamais eu d'enfant dans ta vie. Donc, c'est son petit frère. Maman, c'est son petit frère que sa maman a eu avant d'être folle. C'est ton petit frère. Tu n'as pas d'enfant. Confidence ou confidence. Eh oui. Il va tout sortir, ça chienne. C'est à l'époque quand on faisait venir les enfants en Europe, là, quand tu prends ton petit frère, ta petite sortie, tu dis que c'est ton enfant. Hein? Non. Allez, dire à la cour que maman, moi, elle veut. Oh, moi, voici, vous avez ma tête. Maman, la bouteille était violente, hein? Oui. Elle va laisser. Va entrer la cour. Elle a dit que tu as dit que. Mon paillasson rouge, troisième étage, paillasson rouge. Et ça s'est passé comme ça. C'est quelqu'un même qui t'a trahi à la cour. Ne te mens pas. Donc ma soeur, pardon. Viens alors prendre tes choses, tu vas vivre chez elle là-bas à Franconville. Là-bas c'est luxueux. Chez moi ce n'est pas luxueux. Ouais, ouais. Moi, je suis dans ma pauvre maison. Eh oui. Moi, je n'aime pas moi peur de la mort. Je sais maintenant qu'on peut me tuer quand on veut. C'est tout le monde qui peut s'introduire chez moi parce qu'il y a des gens chez moi qui donnent mon adresse aux gens. Il y a des gens chez moi qui donnent mon adresse aux gens. Oui. Parce que quand on est venu chez moi une seule fois, même la plupart, même il y a beaucoup de gens qui n'ont pas, qui savent que je suis là-bas, mais qui ne connaissent pas. Ils sont venus directement pour dire cring. Ils sont venus chez moi parce qu'on les a agressés chez moi. Vous avez vu la vidéo? Je m'en vais. La police est ici en bas. J'habite là-bas en haut. Je pense que la vidéo va s'arrêter parce qu'il n'y a plus assez de batterie. Maman, mon commissaire, porter plainte. Maman, et que tu me fais, je te déteste encore jusqu'à ce que je te déteste jusqu'à ce que tu peux pas. Tu ne peux même pas imaginer quelqu'un. Je te dirai, je te déteste, je te nique ta race. Je te déteste jusqu'à ce que tu puisses savoir. C'est pas moi qui a que tu n'aies pas les enfants. Accouche ta part. Bon, j'ai accouché ma part. Même si aujourd'hui, vous dites que mon mari les a baisés, ce n'est pas grave. Moi, j'ai quand même mis bas. J'ai fait mes enfants. Accouché pour vous. J'ai mis bas comme les animaux. Oui. Tu n'as pas d'enfants. Tu n'as rien. Ton immeuble est où? Ta maison à côté est où? Le mensonge, ça. Les quartiers FMI, c'est vous. Les mensonges de ça. Hein? Même tu es incapable de créer une société pour toi. Même pour créer une société, tu es incapable de créer une société. Incapable de créer une société pour toi en cancam. Tout ce que tu as, ce sont les gens. Les gens, les gens, les gens. Toi, alors, tu as quoi? À part la pute. Sale pute, vieille pute, sale chienne que tu es. Je te hais. Quoi? Que j'ai peur de toi. Hypocrite, va. Pauvre chienne, sale chienne. J'insulte ta mère. Ta mère pond. Hein? Ta mère va chier au lac. Je t'encule avec elle. Je t'encule tes aïeux. Je chie sur tes aïeux. Tu es une poisseuse.
Tu es une sale chienne. Tu entends, j'en cuis tes aïeux. Va mourir avec eux. Tu es une femme poisseuse. Tu ne vaux rien de la société. Une sale bamiéka à deux balles. Tu es un bamiéka, toi. Les 20 bamiéka te veulent mettre dans leur société. Voyage, non. Pauvre chienne. Ça arrive à la police. Est-ce que maman, les gens, si je les aime pas trop, les gens n'ont plus ici. C'est ici. Vas-y. Déchets mortuaires. Bonjour. Bonsoir madame. Oui. Oui, c'est pour porter plainte. Pour quel sujet, quel sujet? On m'a agressé chez moi, à domicile. C'est-à-dire par qui? Une femme est venue m'agresser chez moi avec sa copine. J'ai ouvert son chemin. J'ai ouvert la porte. Elle m'a agressé. Elle m'a donné une bouteille sur la tête. Là, j'étais avec tout à l'heure. D'accord, vous avez un. Oui. Excusez-moi mes amis, je dois vous laisser. Ciao.